Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'histoire de Nintendo. Alors dans l'épisode précédent, nous avons vu l'ascension fulgurante de Nintendo, qui a commencé par créer des cartes à jouer, puis des jouets, pour enfin se diriger vers le secteur des jeux vidéo et des consoles de jeux. Après avoir relancé, voire même recréé le marché en 1983 avec la NES, Nintendo domine complètement, en quasi-monopole aux États-Unis. L'ère des 8 bits s'achève petit à petit, et Nintendo travaille sur sa prochaine console, une 16 bits, mais Sega est le premier à dégainer avec sa Mega Drive dès 1988 au Japon, renommée Genesis aux États-Unis en 1989. Nintendo relève le défi en sortant sa Super Famicom en 1990 au Japon, nommée SNES aux États-Unis en 1991 et Super Nintendo en Europe en 1992. À sa sortie, Sega a déjà repris beaucoup de parts de marché à Nintendo grâce aux jeux Sonic et aux jeux typés arcade spécialité de Sega. Mais les éditeurs tiers en colère ne sont pas vraiment en fin de compte quand les ventes sont prometteuses, puisque Capcom, Konami, Tecmo, Square ou Enix restent fidèles à Nintendo pour les licences phares, ce qui est un atout non négligeable. À cela s'ajoute sa légère supériorité technique grâce au mode 7 qui permet de créer des jeux en pseudo 3D comme F-Zero ou Super Mario Kart, au nombre de couleurs affichées à l'écran, ainsi qu'au portage du hit d'arcade dans une version quasi identique, j'ai nommé Street Fighter 2. Les ventes sont timides au début, mais Nintendo assure ses revenus grâce à la Game Boy et au jeu Super Mario Bros. 3 sorti sur NES en 1991 qui se vendra à 15 millions d'exemplaires. Super Mario World sort sur Super Nintendo avec l'apparition du personnage de Yoshi ainsi que Metroid 2 lors de sa sortie aux États-Unis et Nintendo commence à lâcher du lest auprès des éditeurs tiers puisque 53 sociétés sont autorisées à produire en toute indépendance des jeux pour ses consoles. Nous sommes en 1991 et arrive l'affaire du SNES CD, dont je vous invite à regarder ma chronique sur la PlayStation pour plus de détails. Et pour résumer, Nintendo souhaite associer un lecteur CD à sa Super Nintendo en partenariat avec Sony, l'inventeur avec Philips de ce nouveau support. Sony nomme le projet Super Nintendo PlayStation, mais le lendemain, au CES, le Consumer Electronic Show de 1991, Nintendo se rend compte que Sony aurait le contrôle total des jeux distribués, ce qui est inacceptable, et annonce donc l'annulation du projet avec Sony, préférant un partenariat avec Philips. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Eh bien, mieux que ça, je vais vous la montrer. Regardez, nouveau design de la console. Deux manettes ergonomiques. Huit boutons de commande. Un branchement pour le CD-ROM Nintendo. Le SNES CD n'existera finalement jamais, Philips sort son CDI, un genre de lecteur interactif, pour lequel Nintendo accorde ses licences favorites comme Mario et deux épisodes de Zelda. Par contre, Sony décidera de continuer son projet et sortira la PlayStation en 1994, un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, puisque la PlayStation deviendra son plus redoutable concurrent. Alors que Sega sort son Mega CD pour la Mega Drive, la société anglaise Argonaut crée le Super FX, une puce à inclure dans les cartouches de jeux, qui augmente la puissance de la Super NES et lui permet d'ajouter des jeux en 3D polygonés que l'on retrouvera dans le jeu Star Fox nommé Starwing en Europe. Nintendo annonce aussi qu'il travaille sur une nouvelle console 64 bits conçue avec l'aide de Silicon Graphics sous le nom de Project Reality et celle-ci utilisera des cartouches et non des CD, ce qui surprend tout le monde. Nintendo perd de plus en plus de parts de marché face aux concurrents, les éditeurs commencent à fuir un par un à cause des contraintes précédemment dites, le nouveau hit d'arcade Mortal Kombat 2 sort sur console. Sega garde le côté gore alors que Nintendo censure, il s'en vendra 4 fois plus sur Mega Drive. Cette violence dans les jeux vidéo attire les sénateurs américains qui créent l'ESRB, Entertainment Software Rating Board, un système de notation et de censure sur les jeux vidéo. Nintendo n'a donc plus besoin de censurer lui-même ses jeux. En 1994, la société Rareware sort Donkey Kong Country, où l'on retrouve le personnage qui avait disparu depuis l'échec de Donkey Kong 3 sur NES et Game Watch en 1984, soit 10 ans plus tôt. Le jeu conçu grâce aux stations Silicon Graphics propose un jeu en pseudo 3D assez bluffant pour l'époque. Même si le jeu reste un jeu 2D, les animations sont fluides et la bande sonore impeccable, le jeu est un succès et Nintendo entre dans le capital de Rareware, leur collaboration ne fait que commencer et sera cruciale pour Nintendo. De fait, la SNES arrive à tenir tête à la PlayStation et à la Saturn de Sega, puisque le projet Reality, renommé Ultra 64, est sans cesse retardé.
qui est un petit peu normal puisque nous sommes à l'ère des 32 bits et Nintendo travaille sur une console 64 bits. Alors petit aparté chez Nintendo, Gunpei Yokoi, inventeur de la Game Boy, créera la Virtual Boy en 1995, une console mi-portable mi-salon, sous la forme d'un casque reprenant le concept de réalité virtuelle. 700 000 exemplaires seront vendus, ce sera donc un échec, Nintendo ne prendra même pas la peine de le commercialiser en Europe. Gunpei Yokoi quittera Nintendo ensuite et mourra l'année suivante renversé par une voiture. La Super Nintendo verra aussi la création du périphérique Satellaview, sorti uniquement au Japon, qui permettait par un adaptateur satellite de télécharger des jeux. Bref, fin de l'aparté, l'Ultra 64, renommé Nintendo 64, sort finalement en 1996 au Japon et aux États-Unis et en 1997 en Europe. Alors une 64 bits annoncée en 1993, ça envoyait, mais une 64 bits en 1996, ça claque du coup beaucoup moins. Surtout que la console propose des jeux cartouches, que la PlayStation a pris beaucoup de parts de marché, et que Nintendo a été abandonné par quasiment tous les éditeurs historiques, comme Square par exemple, qui ne souhaite pas développer Final Fantasy VII sur la Nintendo 64, car le jeu voulait offrir des graphismes 3D, et surtout de nombreuses cinématiques, ce qui est impossible. Square se tourne donc vers Sony et la PlayStation. Nintendo reste le principal éditeur de sa propre console, ce qui en soi leur rapporte beaucoup d'argent, et les licences historiques sont donc remises en branle. D'abord Super Mario 64, qui sort en même temps que la console, puis Mario Kart 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, et à côté de ça, GoldenEye et F-Zero X, qui vont quand même permettre à la Nintendo 64 de se vendre au total à plus de 33 millions d'exemplaires, ce qui sera bien peu face aux 104 millions de PlayStation. Rareware reste fidèle à Nintendo dans le développement de jeux, comme Killer Instinct Gold, Banjo-Kazooie et les suites de Donkey Kong, jusqu'à son rachat par Microsoft en 2002. Jusqu'en 2006, Nintendo va avoir du mal à vendre ses consoles de salon, mais sera le leader incontesté des consoles portables, et ce jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, en 1996, contre toute attente, un petit jeu sans prétention sort sur Game Boy, c'est Pocket Monster, autrement dit Pokémon, qui va envahir le monde. Nintendo annoncera en 2010 que les jeux Pokémon auront été vendus au total à 250 millions d'exemplaires. Le phénomène Pokémon, décliné en anime, en manga, en jeux de cartes et donc en jeux vidéo, permet à Nintendo de se maintenir dans l'industrie vidéoludique. Puisqu'à cette époque, le public des jeux vidéo s'est considérablement élargi grâce au marketing efficace de Sony, à la créativité des éditeurs sur PlayStation et à l'explosion du marché du PC. Mais Nintendo ne possède plus que 50% du marché. En 1998, Nintendo lance la Game Boy Color ainsi que des périphériques tels que la Game Boy Camera et Printer. En 1999, Nintendo annonce qu'il travaille sur leur prochaine console utilisant un processeur IBM et la technologie DVD Matsushita. Le DVD a encore du mal à s'imposer, Sony rencontrera les mêmes problèmes avec sa PlayStation 2. En 2000, le projet Dolphin s'appellera finalement GameCube en raison de son design et Zelda The Majora's Mask sort sur Nintendo 64 ainsi que Ridge Racer 64. 2001 sera une grosse année pour Nintendo, puisque la Game Boy Advance est lancée, proposant des jeux en 3D, ce sera une 32 bits qui affichera des graphismes plus colorés que la Super NES, et heureusement de nombreux titres seront présentés à son lancement comme Super Mario Advance, la réédition de Super Mario Bros 2 et Castlevania Circle of the Moon. Puis en fin d'année sort la GameCube, qui sera la dernière console de 6ème génération pour concurrencer la PS2, la Xbox et la Dreamcast, mais les éditeurs tiers fuient encore Nintendo. Pour éviter le piratage du support DVD, la GameCube utilisera des mini-DVD limitant la capacité à 1,5 Go, mais la puissance de la machine ne fait pas défaut. Par contre, aucun Mario ou Zelda ne sera prévu à la sortie de la console, mais les jeux Luigi's Mansion, Star Wars Rogue Leader, Super Monkey Ball, Super Smash Bros. Melee et Metroid Prime seront des succès pour Nintendo. Mario Kart Double Dash sortira ensuite. Alors que Microsoft lance son Xbox Live, le jeu en ligne n'intéresse pas du tout Nintendo, préférant l'idée du jeu vidéo en multijoueur local, la convivialité et non pas l'isolement, cette philosophie sera le fer de lance de Big N dans les années à venir, et pour ça il faut du changement. En effet, en 2002, Hiroshi Yamauchi quitte la présidence de Nintendo après 53 ans passés à sa tête. La firme n'a plus autant de succès qu'avant, la concurrence est féroce, même si Sega a dorénavant abandonné le marché des consoles, il faut du sang neuf et de l'oseille. Alors pour l'argent, Nintendo revend 49% des parts de Rareware à Microsoft pour 377 millions de dollars. Et pour le 109, le successeur à la présidence est Satoru Iwata. Il a d'abord travaillé chez HAL Laboratory, développant des jeux comme Mother, Earthbound et Kirby, donc travaillant étroitement avec Nintendo, qu'il intègre dans la firme en 2000. Il sera le quatrième président en 113 ans d'existence, le premier sans lien de parenté avec la famille Yamauchi, et sera aidé à son nouveau poste par 6 conseillers exécutifs. La console Wii sera son projet phare. En attendant, Nintendo continue sa lancée sur le marché des consoles portables avec la sortie de la Game Boy Advance SP en 2003, puis en 2005 de la Nintendo DS, qui sera équipée de plusieurs fonctions jusque-là inédites dans le domaine du jeu vidéo portable, avec deux écrans rétro-éclairés, dont un tactile,
d'une connexion internet Wi-Fi et d'un microphone intégré. La Nintendo DS ressemble beaucoup au Game & Watch et sera un grand succès. Une autre version sortira en 2006 nommée Nintendo DS Lite. À présent, Nintendo travaille sur sa nouvelle console, nom de code Révolution, et promet à tout le monde une nouvelle façon de jouer. La console Wii sort quasi en même temps dans le monde entier fin 2006, pour ne pas gâcher l'effet de surprise de cette console dite révolutionnaire. Alors pour ce faire, Nintendo a réalisé une immense étude de marché, et soyons caricatural un petit peu, Microsoft et Sony ont capté le public gamer adulte avec des MMORPG et FPS à tout va. Les consoles portables Nintendo sont souvent attribuées à un public jeune, donc si, prenons un chiffre bidon, il y a 10% de joueurs dans le monde, alors Nintendo se rend compte qu'il y a encore 90% de la population à convaincre de se mettre aux jeux vidéo, tout simplement. C'est un peu l'idée de la Wii, qui va proposer non pas une course à la puissance des consoles, aussi pour faire des économies de production, mais une nouvelle façon de jouer pour attirer les non-joueurs, les joueurs occasionnels que l'on appelle casual gamers, ou encore les seniors, les ménagères de moins de 50 ans. Le jeu vidéo doit être un loisir qui doit toucher toutes les couches de la société. C'est un pari risqué face aux superpuissantes PS3 et Xbox 360. La manette de la Wii, composée de la Wiimote et de la Nunchuk, proposera aux joueurs d'incarner non plus un personnage de jeu, mais eux-mêmes, sous la forme de petites caricatures, les Mii. La console s'utilise comme un jeu de société lors de soirées entre amis, avec un côté arcade, et les jeux demandent des mouvements plus ou moins amples. L'argument commercial sera d'ailleurs de proposer une activité physique aux jeunes, comme aux seniors, enfin faut pas déconner, on a juste un petit mouvement du poignet ou du bras à faire, on a quand même le cul vissé sur son canapé pour faire ça. Bref, Nintendo veut renouer le jeu vidéo avec le concept de convivialité, et les publicités montrent très peu d'images de jeu, puisque les graphismes sont très basiques, mais plutôt la personnalité des joueurs, le profil type, toutes les caricatures et les clichés y passent, Nintendo voulant faire revenir les trentenaires dans les jeux vidéo. Ce qui compte donc, c'est aussi le gameplay, un petit peu à l'image des jeux WarioWare qui proposaient une multitude de mini-jeux au gameplay diversifié mais divertissant. On retrouvera aussi cette nouvelle philosophie sur la Nintendo DS, avec des jeux d'entraînement cérébraux ou des recettes de cuisine, etc., etc. En tout cas, critiquable ou pas, le succès est bien là, 100 millions de Wii seront vendus au total, Nintendo a réussi son pari et redevient le leader incontesté des consoles de salon. Et finalement, les deux autres concurrents se disent que Nintendo avait peut-être raison dans sa stratégie, puisque dès 2009, Sony présentera la PlayStation Move, une manette PS3, comparable à la Wiimote, et de son côté Microsoft misera sur le projet natal, le futur Kinect, une caméra capable de capter les mouvements du joueur. En 2009, les jeux conçus par Nintendo ont représenté 33% des ventes sur Wii, ce chiffre n'avait jamais été aussi important sur les consoles précédentes. Pour les consoles portables, deux nouveaux modèles de DS sont mis sur le marché, la DS XL et la DSi, qui disposent d'un appareil photo numérique. En tout cas, en 2010, tout modèle confondu, la DS sera vendue à plus de 150 millions d'exemplaires, et les succès sur Wii ne se font pas attendre avec les fameuses licences historiques telles que New Super Mario Bros. Wii, Zelda Skyward Sword, un remake de GoldenEye, Epic Mickey, ou encore Metroid Other M. En 2010, à l'occasion de l'E3, Nintendo sort la 3DS, qui permet d'afficher de la 3D sur l'écran supérieur sans avoir besoin de porter des lunettes, puis en 2012, la Nintendo 3DS XL. C'est fin 2012 que le projet Café arrive enfin à son terme. La Wii U sort sur le marché, sa première console HD. Elle sortira même aux États-Unis et en Europe avant le Japon. Fort de sa technologie sur les consoles portables, Nintendo crée le Gamepad, une manette avec écran tactile qui peut aussi se brancher sur un écran de télévision et heureusement, car sinon il s'agissait d'une console portable de plus dans le catalogue de Nintendo. De ce fait, la Wii U ne connaît actuellement pas un grand succès malgré des titres intéressants mais pas innovants comme Mario Kart 8 qui vient de sortir récemment ou Mario Party 10. Alors devant le manque de succès de la Wii U, le président Nintendo a décidé de baisser son salaire de 50%. Quel beau geste, en sachant qu'en 2008 son salaire était de 1,7 million de dollars. Bref, eh bien voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. L'histoire de Nintendo est comme vous avez vu très importante, avec une multitude de détails que je n'ai pas pu citer. Nintendo aura quand même marqué plusieurs générations de joueurs. C'est elle qui a relancé le marché des consoles de salon après le crack de jeux vidéo en 1983, puis a monopolisé le marché pendant longtemps, a commencé à perdre des parts de marché quand la Mega Drive est sortie, puis ensuite la PlayStation. Sa politique vis-à-vis des éditeurs tiers lui aura permis de prospérer, mais plus tard l'aura empêché de se relever quand la concurrence était plus forte. Dans les années 2000, Nintendo aura su déjouer tous les pronostics avec la Wii, et d'avoir misé sur la cible des casual gamers pour retrouver l'entreprise qu'elle était dans les années 80. On pourra certes lui reprocher de manquer d'innovation dans la création de jeux ou de nouvelles licences, misant toujours à fond sur Mario ou Zelda, mais bon, il serait bien bête de ne pas le faire, vu que ces jeux-là sont quasiment toujours des succès de vente. Aujourd'hui, Nintendo reste un des leaders du marché, juste derrière Sony, mais devant Microsoft. Big N a encore de beaux restes après avoir fêté sa 37e année dans le monde des consoles de salon, et surtout ses 125 ans d'existence. Comparé à Microsoft et Sony, pour qui le jeu vidéo et les consoles n'est qu'un département par rapport à l'entreprise principale, Nintendo se concentre exclusivement à ce marché.
Toujours est-il qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Nintendo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !